Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Bon, monsieur l'assisté, le détenu Jacques Sincère. Je vais parler pour le juge Gary Aurélien. L'instruction a commencé. Donc, on attend notre convocation parce que n'est pas fini. Je ne sais pas qu'on est date la tournée. Ça dépend des juges. Là, c'est pour faire extraction. Mais maintenant, pas d'extraction. Comme son nom l'indique, c'est un client sincère. Moi-même, je ne suis pas capable de dire que je ne passe à 100% puisque l'instruction est secrète. Par contre, où est que son témoin qui n'a pas son inculpé. Je tant dire que le client n'a pas parlé. Comment c'est lui-même qui mène l'opération? C'est lui-même qui a arrêté puis fort mon yo. C'est lui-même qui facilite l'enquête là et puis je dis pour là. Donc je pense que c'est témoin de lui-même pas de l'inculper. Je me sens que donc c'est juste ces appuis ont fait moi très confiant. M'attends moment opportun pour me faire tellement de le doigt. Plateforme politique victoire, constaté après plusieurs années, nous finissons prendre indépendance, peuple haïtien passe ce travail qui sait, insécurité, la misère, le bilan sociopolitique. Pour nous sortir dans cette situation, ça, à travers le temps, peuple haïtien fait un peu sorte d'élite pacifique et violente. Suite à tout chiré Pitsayo, le président Jovenel lâchement assassiné la Kaili dans la nuit 6 pour entrer 7 juillet. Jour qui était 8 octobre 2021, citoyens engagés pour une sortie de crise, c'est SOC, se réunis dans l'hôtel Caribé qui n'a pas Pétionville pour présenter une proposition SAO en vue d'assurer une bonne gouvernance, un exécutif bicéphale composé de un conseil national présidentiel de 3 membres. Mon SAO doit être honnête, crédible, car bien là-dedans, il y a un représentant présidence, un représentant sénateur et un représentant classe politique ou société civile. Là. Pour finir, plateforme politique victoire a bien raison qui fait signer à Consaro. Raison qui fait nous signer une résolution, c'est ce là. Un, il n'y a pas quitté personne derrière. Il prend en compte pour le président Stan, parti politique et la société civile là. Deux, à cause de ce là, c'est un choc absorbé pour le pays. Il n'y a pas un direct qui n'est pas trop long. Madame CNPO, il n'y a pas de dépasser 12 mois. Il présente un exécutif à des têtes. Trois, il est d'accord pour faire référendum, côté on va voter une autre constitution. 4. Il m'a défreiné impunité, justice pour le président Jovenel, avec bonjour sécurité dans le pays. 5. À cause de ce cas, c'est un choc absorbé, parce qu'il chita sous trois roches du fait, qui c'est Parlement, la présidence et le parti politique. 6. À cause de ce que posé là, il mettait en proposition comme ça, qui part en proposition à coco. C'est ce que montre nous en clair. Que pays ça a des mondes là-dedans toujours. 7. C'est ça que fait la géographie, classe politique, secteur business là, à force sociale. 8. C'est ça que montre nous avec les coups de l'ococ. Depuis la nation créée, qu'il y a des institutions qui toujours québec pays. Qui c'est l'armée avec la présidence. 9. C'est ça que parle tête lui. Ces pays-là, c'est ça que baille priorité. Qui donc? À quoi c'est ça que la montre nous avec clair? Depuis 1804,
pays a toujours eu un président en tête. Qu'elle te sorti dans l'élection, qu'elle pas sorti dans l'élection. Nous demandons pour CNP à installer avant 7 février pointé. Pour être ça, la plateforme politique Victoire, à toute organisation qui est avec lui dans la conférence là, n'a dit vive ses stocks, vive gouvernement bicéphale, vive Haïti. Mais les organisations qui signent la conférence ici là, POFAV, Héritage, PAP, Mécontré, PEJEC, ORDH, FROPOL, RASPA, Parti politique réponse, MISH, Aidez-nous vivre, Victoire Femme, Rambo, Centrale Nationale, Femme Soleil Levé, GFN, OFAN, GADESH, APAC, CONAD SAI, APA, Parti démocrate haïtien, Mouvement Troisième Voie et Parti socialiste haïtien. Clapement de gouvernement là, avec directeur de la police là, pour y démêler au coup mettre Jean-Jacques, pour y aider les haïtiens. Jouer une solution dans le bagage kidnapping ça. Nous connaissons un gouvernement en place, yon la police là, gen l'armée, mes amis, il faut nous faire une stratégie pour que les pays se rallongent. Son honte pour nous, Jean-Pays a dégingolé, descendre, et puis nous, là, étant que dirigeants, nous pas fait rien. Et troisième voie, a dit les pays vigilant, bar en haut, bar en bas. C'est ça que nous apprenons de tout quartier populaire, toute zone. Il faut nous faire solidarité. Ce n'est pas l'on kidnappe une fin fête pour nous prendre en main pour nous barrer la zone. Depuis nous avons signé, nous avons barré tout ce qui a passé. C'est pour nous barrer, c'est pour nous faire solidarité. Et nous disons, peuple haïtien, c'est pour nous retourner avec brigade vigilance pour que nous veillions tête. Parce que les gens qui ont nous ne savons pas ça y a réglé, ce n'est pas un problème, le peuple a réglé. Et nous demandons aux peuples haïtiens, sécurité, c'est lui-même, même pour bailler tête l'île, parce que pas l'État qui défend nous. Et troisième voie, profiter, dit tous ces sympathisants qui en Haïti comme à l'étranger, 28, 29, 30 novembre, on a fait troisième congrès, troisième voie. Dans Port-au-Prince. Et nous invitons tout le monde, ses baptisants, comme à l'étranger, ça qui est à l'étranger, pour venir dans le congrès, Jean-Habitier Fell, pour nous venir choisir, parce que nous avons changé le comité, nous avons changé plus fort direction dans tous les départements, et nous avons tout profité de choisir candidat qui pourra aller dans l'élection qui venir. Les, ça possible, parce que Jean-Pays est là, nous ne pouvons pas parler d'élection. Après la mort du président Jovenel, nous sommes dans pile monde, en pile secteur, qui a fait sa réunion en pile accord. C'est très bien. Mais moi-même, j'ai toujours des problèmes avec accord, c'est blanc qui a nous dicté. Bah, les blancs a nous dicté parce que papa de Saline, bataille était menée pour nous payer ça. Si on t'apprend dicté dans même blanc, nous allons venir vendre aujourd'hui. C'est ça que fait nous-mêmes, troisième voie, nous appuyer proposition sortie de crise, c'est socle là. Parce que son proposition qui baille au visage haïtien. Objectif SCSNFP, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle, c'est plaidoyer des mesures drastiques capables de prendre par responsable qui n'a tête système non, pour permettre le redressement de la situation critique actuelle du SCSNFP, vu à partir de graves problèmes d'ordre systémique, structurel et administratif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le problème ou les problèmes sont nombreux, mais nous sommes capables de dire nous prenons certains points saillants qui préoccupent nous. Non seulement en tant qu'employés, mais aussi en tant que citoyens haïtiens. Parce que négligence que dirigeants ont systématiquement portée dans le système de formation professionnelle, nous sommes capables de dire sincèrement qu'il y a la base
de plus fort problème que nous avons confronté journée aujourd'hui. Parmi les points, premier point, parce que je dis le vrai problème, non, c'est bail. Nous gagnons environ 12 points qui empêchent bonne marche INFP. 12 points qui permettent INFP rater mission. Premier point, c'est INFP qui gagne trop de bureaucrates en dedans. Le système technique nous dit que le pas capable de gagner tout bureaucrate ça yo là dedans. Deuxième point, c'est un paquet, c'est cadre qui en dedans système formation professionnelle là gagne en pile qui parle en place yo. Troisième point, bureaucratie INFPA li trop lent. Là que n'a parlé de trop lent, nous avons un système. Si en réalité que vous faites une demande de nomination, vous faites une demande de régulation, automatiquement que bagay qui peut apprendre 2 semaines ou bien 1 mois quelconque, vous faites 2-3 ans, nous pas capable de joindre une solution. Je regarde des dossiers qui durent près de 6 à 7 mois depuis que vous êtes traité. Depuis que vous faites chimé, vous passez par OMRH et vous venez à la primature, malheureusement. L'exercice l'a fini et le dossier a été bloqué. Donc, j'ai demandé à la Premier ministre pour lever main sur le dossier, pour permettre que non seulement le dossier nomination, le dossier promotion et le dossier régularisation, ça allait tout, qui personnel INFPO et personnel, tout centre public à plein. Donc, on a souhaité que ça soit finalisé. Et bien ensuite, on a fait 4 délibérations qui, effectivement, tout l'autre ministère, mais pour INFP, qui c'est une institution qui est autonome depuis le décret 2018. Là, mais malheureusement, le personnel est toujours à plein, il va arriver jeune. Donc nous avons souhaité que le Premier ministre autorise le ministre de l'Éducation nationale, le ministre financier autre pour rechercher une formule pour permettre que l'employé bénéficie de l'opportunité. Parce qu'il y a un travail en pile, malheureusement, le salaire n'est pas répondre vraiment aux besoins. Yo, ça va pas satisfaire besoin. Yo. Donc en ce sens, nous avons souhaité accompagnement ça aux jeunes pour continuer à l'état service. Je salue. Vendredi 8 octobre 2021, l'équipe BAIA a continué à faire une série d'observations directes. Elle a fait sous situation violation de l'Amoun, tremblement de terre 14 d'août 2021 dans le grand site là. Dans ce sens, nous avons visité victimes dans la commune Les Figuiers, commune Port-à-Piment, et puis discuté avec quelques autorités locales, à plusieurs notables, parmi eux, par l'église catholique là, et nous voulons parler de Pierre Véli Jabouin, l'église du Rosaire, et ensemble avec le magistrat communal Port-à-Piment, Pierre-Louis et Jean-Raymond. Et nous avons parlé d'abord avec le magistrat communal. Mais tout le monde a joué Ponce Pilate. C'est yo, c'est pas yo. Mais ce qui est important, j'ai l'impression, en pile là-dedans, pas qu'on ait rôle yo en tant qu'autorité. Parce que ça, c'est un bail qui est grave dans le pays. En pile, monde prend poste chef, mais on va connaître poste et poste ou prend, il y a une responsabilité. Problème logement, il pose un gros problème généralement dans Port-à-Piment. Parce que magistrat Pierre Raymond et alors Jean Raymond Pierre lui dit et dit nous à l'équipe BAIA, il y a des monde qui dorment dans le cimetière, pas fait ça. Il pas comprendre tout ses responsabilités, c'est lui pour tabay moun sa au caille. Pendant moun y a plan gui en bas et il y a une sous menace expulsion forcée, et ben s'il rive dans certains sens, c'est politique lié. Qui dans quand ça yo, yo sous gros menace expulsion forcée. M'a prendre une fois pour la presse.
gain des thèmes faut nous bien comprendre et au fur et à mesure qu'on a évolué. Par exemple, là nous parlons de déplacement interne, là nous parlons d'expulsion forcée, eh bien, loi droit humanitaire dit, les gagnants et catastrophes naturelles, ça y est, eh bien, la pral débouché sur des mouns, sur des déplacés internes. Est-ce que vous avez été tiré? Vous avez été mettre dehors? Tant que j'ai eu qu'on fait le droit civil? Non. Parce que ça, c'est droit humanitaire, c'est droit humain. Pour y a l'État a vu un rôle, même si ce n'est pas l'État qui a provoqué le tremblement de terre, ce n'est pas l'État qui a provoqué le cyclone, non. Mais il y a une responsabilité pour Mounio et côté Oya pour arrêter là, jusqu'à ce que l'État fait plan pour bailler l'autre côté, si l'État pour gagner. Si le caillou est écrasé, il n'y a pas qu'à retourner dans le caillou côté Oya. Donc, expulsion forcée par la donne. Et ça fait nous continuer dans ce cri d'alarme. Que ce soit dans le camp, et cette année, dans la Sucre, 5e section Saint-Louis du Sud, que ce soit dans les figuiers, dans porte à piment, et bien expulsion forcée, menace Mounio par la dame. BAI a attiré l'attention de la presse. A soi-disant force progressiste sous situation socio-économique population dans Sidla qui continue à dégrader. Alors ce qui est autorité de facto dans l'État et pas prendre aucune mesure pour accompagner les victimes. BAI a appelé force progressiste, soi-disant progressiste, qui est engagé dans la bataille pour craser le système de Soussea. Bataille politique pour améliorer les conditions matérielles existence martiaux. Doit marander à la revendication sociale. Qui donc, nous ne pas devons faire silence sous l'autorité de facto dans tête de l'État qui méprisait la population de Sidla, qui vivent une crise socio-économique catastrophique dans le camp, Et nous mettons sous ça, en pile dans yo, à faire face chaque jour à menace d'expulsion forcée. Nous avons le plaisir ce matin de lancer conjointement avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, le projet se rapportant à la vulgarisation des normes juridiques, des garanties judiciaires et la responsabilité des bureaux d'assistance légale et de promotion des droits des détenus. Dans le domaine des garanties judiciaires en Haïti, dans le domaine des droits des personnes privées de liberté, on peut dire, sans risque de nous tromper, mes chers amis de la presse par l'écrit et télévisé, que la situation en matière de détention du respect de liberté individuelle est on ne peut plus critique à la menthe. Selon les conventions et traités que nous avions ratifiés au niveau des Nations Unies, au niveau de l'OEA, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques,
et d'autres instruments internationaux. Au regard de ces instruments internationaux, une personne privée de liberté a des droits. Il a des garanties judiciaires. Et parmi ces droits, selon le pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout individu arrêté ou détenu d'un chef d'une infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. C'est ce que dit le pacte international relatif aux droits civils et politiques et c'est un principe qui est repris dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme que nous avons ratifié et aussi c'est aussi un principe que nous retrouvons dans le document de référence en matière des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée comme tout le monde le sait le 10 décembre 1948. Pourtant, chez nous en Haïti, ils sont des milliers qui sont, le mot n'est pas trop fort, des oubliés dans les cachots des centres carcéraux. Ils sont devenus des otages d'un système judiciaire, on pourrait dire, qui est en quelque sorte dysfonctionnel. Aujourd'hui, selon les chiffres publiés par l'administration pénitentiaire nationale, nous avons, chers amis, écoutez bien, pour l'effectif global de personnes privées de liberté, nous avons au total 11 250. Certains diront certainement, le chiffre tenant compte du climat d'insécurité, de l'augmentation des infractions, le chiffre n'est pas tout à fait à la hausse. On peut concéder. Cependant, ce qui pose problème pour les défenseurs des droits de l'homme, ce qui pose problème pour nos amis de la communauté internationale qui sont présents en Haïti, écoutez, chers amis, sur les 11 250, on n'a que seulement 2014 condamnés. Cela représente sensiblement 18% de personnes qui sont condamnées. Donc on a 82% de personnes qui sont en détention préventive et on pourrait même dire détention préventive prolongée. Le tableau est identique, étant donné qu'on a parlé de l'effectif global pour tous les centres carcéraux. Mais permettez-moi de préciser pour les amis de la presse, si nous avançons les chiffres pour la prison centrale en Haïti, je veux parler du pénitent, 13 personnes. Et sur les 3693 personnes, tenez-vous bien, on a 362 condamnés. Cela nous donne un pourcentage sensiblement à 9%, soit 9,8%, cela nous donne, je pourrais dire, un pourcentage de 10%. Donc en clair, au niveau de la prison centrale, selon les données fournies par la direction de l'administration pénitentiaire nationale, on pourrait dire de façon très claire, nous avons 10% de condamnés et 90% de personnes qui sont en détention préventive prolongée. C'est ce tableau négatif, alarmant, qui permet d'avancer. Aujourd'hui que, selon certains observateurs, selon certains enquêteurs,
selon certains experts qui ont travaillé sur la problématique de la détention préventive prolongée, tenez-vous bien, ils avancent que chez nous, en Haïti, parfois, il faut payer pour envoyer quelqu'un en prison. Tout comme il faut payer de l'argent pour le faire sortir de la prison. D'autres vont beaucoup plus loin, peut-être à tort ou bien à raison, pour comparer le système judiciaire comme un marché où tout se vend et tout s'achète. Moun qui n'a pas aucune charge qui est retenue contre yo, qu'a fait la prison préventive, faut que le tribunal tende yo. Moun qui déjà purgé peine yo, qui retourne dans prison, peut-être parce que yo vient pour verser yo mounet quelconque, il faut que yo permette moun sa yo recouvrir liberté yo. Mais moun tout qui en a fait avec la justice, qui a fait viol sous femme, qui a fait viol sous petit monde, qui a tué policier, qui a attaqué monde, qui a fait kidnapping. Responsable de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, de l'administration pénitentiaire et des bureaux d'assistance légale et les cliniques juridiques. Mesdames, Messieurs, je saisis cette occasion de célébration pour renouveler le soutien du programme des Nations Unies pour le développement et de ses bailleurs de fonds aux diverses initiatives visant la promotion et la protection des droits des détenus. Permettez-moi de vous rappeler que le taux de détention préventive, et cela a été souligné de façon très éloquente par le directeur de la protection de l'OPC, que du taux de détention préventive au niveau national frise les 82%. Que la situation des femmes et des filles au pénitencier de Cabaret en termes de... Plusieurs actions sont menées dans le cadre du projet État de droit et accès à la justice du PNUD. Ainsi, les bureaux d'assistance légale des Cailles et de Petit Gouave ont été aménagés et dotés de matériel pour faciliter leur fonctionnement. Trois autres bases vont bénéficier d'un soutien similaire très bientôt. Deux cliniques juridiques offrent leurs services de consultation à des personnes en situation de vulnérabilité. Il s'agit de la clinique de l'école du barreau de Port-au-Prince et celle de l'Université intégrée de la Caraïbe située au Caire. Une troisième clinique juridique est sur le point de voir le jour. Les cliniques interviennent à la source en sensibilisant la population sur ses droits et devoirs afin de faciliter des résolutions aimables et pacifiques des conflits. Mesdames, Messieurs, au nom du PNUD, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont assuré la réalisation de ce lancement. J'adresse de plus nos plus vifs encouragements au protecteur et à son équipe dynamique qui œuvre au respect des engagements de l'État en matière des droits humains et à la protection de tout individu contre les abus et violations des droits. Il y a environ 4 mois depuis que l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne a signé un protocole d'accord avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, dans le cadre du projet Accès à la justice financé par les fonds pour la consolidation de la paix. Ce projet permettra à l'OPC, conformément à sa mission, de développer des stratégies de vulgarisation des normes juridiques nationales et internationales portant sur les garanties judiciaires. Il s'agira notamment de procéder à l'organisation d'activités de sensibilisation et d'information sur les droits des accusés, les droits des victimes, la loi sur l'assistance légale, le rôle et la responsabilité de Novo Bal et les cliniques juridiques. Ce projet prévoit également la conception et l'impression de matériel détaillant et vulgarisant les mécanismes et procédures de dépôt des plaintes auprès des différentes institutions, incluant OPC, les Novo Bal, les cliniques juridiques.
Les instruments développés seront disponibles et mis à la disposition des organisations de la société civile intervenant dans la chaîne pénale. Mesdames et messieurs, la promotion des droits des détenus sera assurée aussi à travers des activités de formation en étroite collaboration avec la direction de l'administration pénitentiaire qui constitue un acteur incontournable dans ce secteur. De manière spécifique, ce projet vise à sensibiliser les détenus, les acteurs et la population en général sur le respect des droits des personnes accusées et détenues. Il vise également à vulgariser la loi sur l'assistance légale, le mandat des balles et l'accès aux services. Sensibiliser la population des zones vulnérables visées par le projet dans le département de l'Ouest et dans le Sud en particulier sur leurs droits et devoirs afin de contribuer à la prévention et la résolution pacifique des conflits. Le projet vise également à réduire le nombre de recours à la justice par la résolution pacifique des conflits et permettre une meilleure cohésion sociale au sein de la population. Nous attendons de ce partenariat moins de dossiers dans les commissariats, un climat de paix dans certaines communautés dites à risque, moins de dossiers à caractère civil convertis en pénal dans les parquets, plus de dossiers dans les balles et les cliniques en vue d'un traitement adéquat. Nous attendons également une vague production et distribution de matériel sur les mécanismes et procédures de dépôt des plaintes auprès des différentes institutions par l'OPC. Et enfin, nous attendons des sessions de sensibilisation aux droits des populations ciblées en rapport à l'accès à la justice. Ainsi, mesdames et messieurs, nous espérons qu'à partir de la mise en œuvre de cet accord, qu'une grande amélioration sera apportée à la question détention préventive en Haïti. Dans mes chansons, je vois tout Thank you.
l'amour de Dieu le Père, que la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Et dans les racines, les frères et les sœurs, bonjour. Bonjour, mon Père. Bonne fête de Notre-Dame de Fatima. Merci, Père. Merci, nous sommes rassemblés dans la joie pour honorer notre maman, pour la célébrer et dire merci pour sa présence dans notre vie. Merci pour ses prières, pour son intercession, pour son amour. Merci pour les nombreuses grâces qu'elle nous a obtenues de son Fils Jésus. En plus, petit bon Dieu, il a couru.
souffrances multipliées. Et mon mari, il te demandait pour la prière, pour la paix. Nous croyons dans toutes circonstances. Croyons que nous ne sommes pas ailleurs, ni pas abandonnés. Frère, à ce lieu, en confier à mon Dieu la vie, mon Dieu le meilleur. Mon Dieu, qui veut sauver nous, qui veut sauver Haïti, en confiant à mon ami, à cœur immaculé, Marie. Marie dit, dans la parution, mon cœur immaculé triomphera. Frère, à ce jour, c'est pour mon ami la prière pour nous. C'est pour mon ami l'oubliement de défense pour nous. C'est pour mon mari, nous vivons des défenseurs pour Haïti. C'est pour mon mari, fais-nous joindre grâce à la bénédiction que nous besoin pour nous-mêmes, pour former à nos pays. Amen. Merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.